4, 3, 2, 1. Bonne année. Normalement, on est à. On est à. Bon, déjà, on a la qualité qui est restée. Ah, la qualité est restée. Voilà, on a les ambiances. Rien n'est content, c'est revenu. Re les gars, re. Désolé, salut. Mon PC a crash. Ah, le PC a fait un fumble. Voilà, c'est ça. Le PC a fait un fumble, tout à fait. Vous pouvez lancer D pour le PC. Voilà, je relance un. On peut en mettre en plein écran. Bon, alors, on en était où du coup? Il y avait des rats mutants géants. Tu devais lancer ton jet d'initiative. Ouais, c'est ça en plus. Alors. Donc Tetra m'a fait. Ah bah de toute façon tu vois l'historique, Tetra m'a fait 20, tu vois tout ça. Allez, c'est parti pour un G d'init. J'ai fait 15, ouais, 16. C'est... Bien. Ouais, l'initiative, c'est pas grave de faire un score nous. Oui, c'est ça. Très bien. Donc c'est Tetram qui agit le premier. Yes. Bah moi je me mets devant. D'accord. Avec Chouchou là, enfin avec Gorgorbet, et je fais une bouffée de poison. D'accord. Sur le premier rat qui est devant moi. Celui-là. Ouais, celui-là. D'accord. Bon, je fais le jet de résistance, c'est Constitution. Alors, Constitution, qu'est-ce que ça donne pour eux? Bon, plus 0. Ah, j'ai de mal. Aïe. C'est raté, tu peux faire tes dégâts. Ok. Alors. 8. Ah, pas mal! Eh bien, ils décèdent dans d'atroces souffrances. Donc okay. Ensuite, je fais gourdin magique pour mon action bonus. D'accord. Ensuite, attaquer celui-là. D'accord, avec le... Avec l'ours. Donc, oui, on va faire griffe. C'est un mythe. Je fais 16. Alors, attends. Hop. Là, je prends la bonne couche ici. Oui, large. C'est large. Voilà. Et donc, je fais slash roll 1d6 plus 1. Je fais 5. D'accord. Tu vois que tu l'as bien entamé. Voilà, et on va... Vas-y, dis fin de tour. Très bien. Ensuite, à Naolia. Oui, c'est à moi. Donc, le problème, c'est que... qu'est-ce que je peux faire contre des rats, moi? À part... c'est des rats géants. Bon, je suis de donner un gros coup d'épée dans leur... Ouais, dans leur... c'est ça. donc, là, il y en a... Lequel, auquel ton ours a fait le plus de dégâts, celui qui est devant lui? Celui qui est devant lui. Ok. Bon, bah, celui-là. Je vais me mettre à côté de l'ours. Et puis je vais essayer de tuer le celui qui est le plus proche. Tu as fait ton épée à deux mains? Ah, pardon. Tu as pris ton épée à deux mains? Oui, j'ai pris mon épée à deux mains. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Alors. Allez, s'il te plaît. Oh. C'est bon. Ouais, ça passe. Hein. J'ai fait 10. Non. Non, tu as été un petit peu déstabilisé parce qu'a fait tes trames avec son poison et tout. Ok, très bien. C'est quand même assez redoutable. Et du coup, le rat, il a réussi à esquiver. Ouais. Il a bondi un petit peu de côté. Bon, bah tant pis. Pourtant, il est pas bien vigilant, mais c'est peut-être l'instinct de survie, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est surtout moi qui suis vigile. Ensuite,
ta rogure. Ouais. Bon, excuse-moi. Despo, t'as ton icône Despo, t'as pas remis ton personnage dans As. Ah oui, bien vu. Vas-y, rogure, à toi le jeu. Ouais. Bon, ben, moi, je mets à ce niveau-là et je prends ma hache. Pour attaquer le nain qui est... le rat qui est ici. D'accord, très bien. Bon, je retire le... On va le supprimer. Voilà. Et donc, tu vas faire quoi pour utiliser ma hache à deux mains? C'est bah, un G12 plus 2. Tu cliques sur hache à deux mains sur ta fiche. Il va te lancer direct. Ok, c'est tout. Oui, c'est tout. 11. Ah, Rogur, Rogur. Tu fonces vers ce rat. Tu lèves ta hache. Bam! Juste à côté. Ah. Super. Quel tu l'as roulé. Faut faire 12 pour les attaquer, ils ont 8 PV. Il a dû avoir un coup de chance, sûrement. Du coup, ouais, je peux pas attaquer parce qu'ils sont tous devant moi là, je peux pas. On considère que tu peux, si t'as okay. besoin. Tu... Bon, tu voilà. Là. Tu peux te mettre là, ouais, exactement. Oui, ouais, voilà. Non, non, moi je vais pas au cac, hors de question. Ensuite, c'est donc au rat. Oui, mais si tu lances un sort, tu peux nous éviter en fait. Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Si tu lances bien ton sort. En plus, si tu lances au-dessus de l'ours, tu as la vue, donc. Ah bah oui. Oui, carrément. L'ours, il est... Puis, bah, si t'es grand derrière le nain, tu peux. Voilà. Mais si du poison, j'ai une résistance au poison. Alors, le premier rat. Allez, je lance là. C'est quoi son bonus? Ah, quand même. Ouais, j'ai peur, j'ai d'avance. Donc sur Naolia. Oui. Oh. Oh, 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 j'étais à 1 du critique. Oh putain. Je fais allez, quoi, les dégâts. Je prends combien? Tu prends 4 points de dégâts, non? Donc je me retrouve à. Bon, je vais te faire tirer si tu veux. À 7, ouais, vas-y. Non, t'es à 10. Ah, je suis à 10. Ben non, je suis ah, à non, 10. Ah, non, ça c'est mes points de vie à moi, ça. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon. Ça c'est mes points de vie à Gorgorbe, ça. T'étais à combien du coup? Bah, j'étais à 14. Ouais. D'accord. Ah, ça a pas sélectionné le bon. Ah bah là, t'as toujours pas sélectionné le bon. Bah, je t'ai remis à 14. Non mais tu... Non mais là, c'est... Là, t'as sélectionné... Tram, c'est... C'est Gorgorbeck qui est à 14. Et sinon, fais-le ah, sur c'est... ta fiche. D'accord. Point de vie actuel, là, t'as une flèche montée-descendre, juste en dessous d'initiative. Tu peux monter et descendre tes PV. Quand tu dis que c'était toi, c'est pour ça, moi j'ai cru que c'était ton perso. Si, je peux le faire. Donc je suis à 12 points de vie, je prends combien? Je prends 4, c'est ça? 4. Donc 12 moins 4, 7. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Allez hop, putain. Ok, 12 moins 4. T'as moins 4. T'as pris non, moins 12 moins 4, ça fait 7. Ça fait 8. Ah oui, ça fait 8. Ah, ouais, super. Moi je disais, mais c'est. T'arnaques pas des points de vie. Voilà, donc le deuxième rat, il va attaquer notre Gorbet. Qui a une serre en carton. En effet, ça touche. Oui, mais... oui, bah, oui ça touche. Hein. Oh, y a... mais vous avez une chance. Donc il prend 5 points de dégâts. Bah, du coup, je te laisse. Ouais, c'est bon. Et donc, le dernier, bah, il va attaquer. Rogur. Ouais. Allez, Rogur. Ah. Hop. Oula, Rogur, il va. Oh là là, calme, les gens. Ils font des vrais scores, Terra, quand même. Ouais. C'est des bêtes de rats. Ah, c'est des rats de compétition, hein. Quatre points de dégâts. Allez, tu t'enlèves 4. Ouais, je vais en retirer 4.
Ok, bon, on saute derrière, on considère qu'ils peuvent pas. Oui, bah oui, hein, ils peuvent pas. Et... donc, c'est à notre ami Rampa. Allez, Rampa. Yes. Alors, bah, du coup, pareil, hein, je vais lancer une bouffée de poison là. D'accord, faut que tu te rapproches un petit peu, tu pourras te reculer après ton sort, c'est pas grave. C'est 3 mètres, donc là, c'est bon, je peux l'avoir. Ouais, ouais, vas-y. Tu vises lequel ? Je suis juste devant le nain. D'accord. Alors, bouffée de poison. Alors, faut que je fasse un. Attends, je fais mon jet de résistance. C'est constitution, on avait dit. Constitution, oui. Oh, oh là, mais c'est pas possible. Oh, vas-y, faut que tu. Rien du tout. Bon, je vous propose, je fais plus les jets là-dessus, je vais les faire à l'ancienne. J'aurais peut-être pas de chance. Mais non, mais non, continue. Non, mais c'est bien pour que les gens puissent voir tes jets, c'est cool. Oui, c'est mieux que les gens voient tes jets. Donc, bon, Rampa, tu peux te reculer un petit peu après si tu veux. Je vais pas me prendre une attaque d'opportunité si je fais ça, non ? Non, non, c'était pas encore à corps. Enfin, bon, bah, je recule une case. Voilà. On va enfin un nouveau tour, c'est notre ami Tetram. Allez, t'es très Moi, je vais faire une bouffée de poison aussi sur celui qui est en face de moi. D'accord. Est-ce que je peux essayer d'esquiver pour que Naolia ne se la prenne pas dans la tronche. Ouais. Je me baisse. Oui, voilà, je me considère que tu te décales un petit peu, c'est pas grave. Voilà, donc on va refaire une bouffée de poison. Ok, bon, j'ai refait mon jeu de résistance. Ah, c'est ça passe. Très donc, efficace, cette rame. Très efficace. R. 1 et 12. Ah, waouh. Bah, tu l'as one-shot encore. Ouais, ils ont 8 PV. GG. Il est chaud, le mec. Ok, après, je fous une. Je fais une attaque griffe avec. D'accord. Pilou, là. Sur celui qui est en face. 15. Oh là, ça touche. Donc. Bah écoute, je t'en fais grâce, il a 2 points de vie. D'accord, 1 des 6, plus 1, quand même. Tiens. Mange dans ta bouille. Voilà. Il décède de manière très brutale. Et donc, fin de tour. Allez. Okay. Naolia. Oui. À toi. Bah, Naolia, elle a un peu pris cher, non ? Donc, je vais peut-être prendre une potion. Les potions, c'est 2d4. Hein. C'est 2d4. Ah, ouais, hein, c'est beaucoup. Ah ouais, ok. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ah sinon, je sors mon arc long. Peux faire t'es ça. Un peu proche hein, pour tirer à l'arc. Hein. Ouais, mais je vais celui qui est devant moi avec la tête de mort là. Moi, je veux pas m'en approcher. Bah recule alors du coup. Ouais, je recule, je me mets genre là. Là, c'est bien là. Ouais. Voilà. Tu donc, me tires plate flèche dans la tronche. Le best, hein. C'est qui a tiré ? C'est LF. Je suis pas. C'est le donjon de Hulbok. T'inquiète pas, je te couvre avec mes flèches. C'est ça. Donc, du coup, mon arc. Ou alors les hachettes de lancer. Ah, j'hésite. Bon, allez, vas-y. L'arc. Allez. Allez. Tu me tires une flèche. 9. Putain, 12. Je crois 12. 3, ça fait 12. Tu touches. Yes. Et je touche pas tes trames, donc c'est une bonne nouvelle. Non, non, c'est bon. Et esquive le fumble. La prochaine fois, je joue une elfe, quoi. Ça, c'est crédible, quoi. Donc voilà, fin de tour. Hein. Bah, t'as pas fait des dégâts. Ah, oui, les dégâts, oui. Alors, c'est pas un dégât pas. Hein. Donc attends. Hop. Donc c'est 1 des 8 plus 1, ok. Tu vas le one shot. Ouais, bonne question. Non.
Mais sérieux. Yes, ah, merci pour le follow, Paradox. Peu, mais Et Armodo. Et Armodo aussi, merci pour le follow, les gars. Vas-y, continue, yes. Je t'en prie. Oui, bah tu vois qu'il queen un petit peu, il a pris ta flèche, mais bon, il a l'air encore bien gaillard. Ouais, bien vivace, quoi. C'est à notre ami Rogur. Ouais. Donc, bah, moi, je vais attaquer avec ma hache. Ok. Bon, tout à l'heure, c'était l'échauffement. Ah, ouais. Parce que chose sérieuse. Ouais, c'est, je pense à la hache. Oui, joli. Oh là là. Ça touche. Jalouse. Allez, dégâts. Découpe-moi ça. Ok. Fouch. Alors, sèche R. Et je vais marquer après un début, alors, un des 12. Un des 12 plus 2. Ouais, c'est ça. Un des 12 plus 2. Yes. Oh. Bien joué, Orgur. Tu vois, ça c'était l'échauffement. Tu viens de le couper en deux. Ça t'aidera. Bien. Attention, c'est leur tour maintenant. Il va nous faire double 20 là. Là, t'es plus au contact de qui que ce soit, donc tu peux bouger si tu veux. Moi, ouais, je vais m'éloigner. Sûr. Bah, je peux m'éloigner moi aussi avec Balou. Oui, bien sûr. Enfin, pas Balou, mais. Oui, non, bah, t'inquiète. Ouais, j'aime bien Balou. De lui, des petits noms, c'est trop mignon. Ok. Bah, maintenant, c'est Tora. Donc, il va s'approcher. Hop. Je cherche pas trop, hein, grand tour. Hein. Donc, le premier, il va attaquer Tetram. Oh, Yacine. Yacine. C'est égal à ma. Égal à ma CA, donc je sais pas ça si touche. Ça passe ou pas. Ça touche. Ouais. D'accord. Tu perds 5 points de vie. Okay. Et tu vas me faire une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ah, c'est pas bon ça. Oh là un échec là critique. Oui. Ok. Bah je sais pas, cette morsure, ça te fait une sensation un peu bizarre. Ça picote. Pour le fait que ça fait mal, c'est un peu comme si c'était infecté, c'est bizarre. Non mais je m'en doutais. Comme le mec qu'on a trouvé mort tout à l'heure. Ouais, il y a peut-être un lien, effectivement. Ensuite. Le deuxième va attaquer notre ami Rogul. Ah, bah alors lui s'est complètement foiré, il a pris trop d'élan. C'est votre truc. Il s'est pété la gueule devant mes pieds. Voilà, ouais, c'est ça. Il s'est complètement raté. Peut-être le nain a-t-il un charisme tellement impressionnant. C'est la hache qui lui a fait effet. Ou c'est la hache peut-être. Très bien, c'est ensuite à Rampa. Ouais, bah moi comme je rate toujours mes bouffées de poison, alors je vais dire Rogur, décale-toi, je vais lancer une flèche avec mon arbalète. Quoi, un carreau. Vous faites un combo. Voilà. Lance le nain. Je fais un 15. Mais GG. Oh, ça touche. Je lance mes dégâts. Et en 8, je le tue. Oui, tu le tues. Oui, ouais, j'en ai eu un. Vous faites un concours, vous marquez combien vous en avez. Il compte quand même que pour un. Ok, à tes trames. Alors, bah moi, j'ai toujours mon gourdin magique. Et je vais faire un... Je vais faire un bâton à deux mains, donc ça change rien. Parce que j'ai quand même plus 8. Attends, hop là. Ah, mais du coup, j'ai oublié de soustraire mes carreaux. Non, mais donc, tu les récupères. Si tu récupères tu les sur les bêtes, là. On va pas faire le compte des flèches, hein, sinon. Donc, j'ai fait un 15 pour lui taper un grand coup sur la tête. Oui, ça marche. Pas de problème. Et donc, je fais. Slash roll 1. 8 plus 1. Bah moi je le fais quand même.
Ah mais putain. Oh là là. T'es trop... Et donc je fais avancer Balou. Il va le terminer. Coup de griffe. Et là, je fais... C'est bizarre. Vas-y. Attends. Donc je touche ou je touche pas là? Oui, 13. Tu touches. Touche. Donc. Selon toute logique, tu devrais le tuer. Mais évite le 1. 1 des 6. Plaisant. C'est un 4, 5. Ah, tu vois que Gorgorbem, il met un grand coup de griffe, et après le mort. Et vous voyez qu'il bouge la tête là avec le rat mort. Maintenant. Avant de le lâcher, tu vois, il l'a. Parfait, il remet à son maître, content. Non, mais voilà, ouais, il lui a mis la pâtée. Donc, voilà. Moi j'ai un truc à demander. Avec ces sales bestioles. Vie. Est-ce que je peux faire un second souffle pour me récupérer un peu des points de vie? Ah oui, tu peux bien sûr. C'est parti. Alors... On peut en savoir plus sur le second souffle? C'est un sort que tu peux faire qu'une fois ou? Ah, c'est un truc de guerrier ça. Hop, je le mets voilà dans dans le chat. Moi j'ai une question. Dé. Donc bon, c'est mon dé de. C'est mon dé quoi que je tire du coup? Un D10. Ah oui, il faut que je fasse ça. Un D10. Un D10 plus niveau... 1 parce que t'es niveau 1. Voilà, plus votre niveau. Un D10. Ah, il faut un repos court pour le récupérer. Ouais, c'est ça, c'est je récupère vite fait. Question 5 points de vie. Je récupère 5 points de vie, bah je suis fou. Non, pas plus 3, c'est plus 1. Hein. Ah, c'est pardon. Plus... Ah, ouais, donc du coup, je récupère juste un. Donc 3. 3 points de vie. Pourquoi t'as marqué 1 des 10 plus 3? Mais parce que si c'est m'a dit de faire. Ah non, je me suis trompé, c'est pas ça qu'il faut que j'ai fait. T'as 1 des 10 plus ton niveau de guerrier. Donc ton niveau de guerrier, c'est. On est niveau 1? Quand j'aurai mon niveau donc, 2. Oui, donc je refais. Je le refais alors. Slash... Non, c'est bon, ça fait 3. Ok. Ah, t'es presque revenu. Ça va. Je suis à 11 quoi. Moi j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que le mot de guérison ou le soin des blessures, ça peut soigner d'une infection en fait? Non, mais ça peut quand même te redonner des points de vie. Ouais. Ouais, vous avez vu là ce qu'il dit à Dragon. Attends, je vais faire un petit jet de médecine. Oui, d'accord. Pour voir. Enfin, par rapport à la morsure que j'ai senti qui était pas top, pour avoir un peu plus de détails dessus. Fais-le avec avantage parce que tu as déjà examiné l'homme tout à l'heure. Ah bah merde, bah je l'ai déjà lancé donc je vais le relancer. Ouais, je vais le relancer. Donc, oui, astuce, c'est bon, si c'est vous bon. De toute façon, ça marche. Non, c'est bon, ça passe là ou. Oui, ça passe. Bah, genre, est-ce que. En fait, c'est une maladie, ça file une maladie. Ah ouais. Et en fait, ça t'empêche les soins. Les soins normaux, entre guillemets. Ce qui ça veut dire que je peux pas me soigner moi-même. Tu peux te le soigner avec des sorts, mais tu peux pas récupérer des points de vie autrement. D'accord. Et puis, toutes les 24 heures, tu feras un jet de constitution. Non d'ailleurs. Tu perdras un dé de 6 vies toutes les 24. Mais bon, tu seras sorti d'ici. Un dé de 6 vies? Ouais. Ah oui. Bien joué Tetram. Ouais. Tu as été très efficace dans cette bataille. Mais carrément. Par contre, tu as pris une morsure. Est-elle grave? Ah, c'est pas joli joli, ouais, hein, vous voyez. Un petit peu. Tu veux faire un jet de médecine sur lui? Non mais j'ai déjà fait un jet de médecine sur moi-même et... Non mais là il sait exactement ce dont de quoi il souffre. Ok. Parfait. Donc que décidez-vous de faire? Vous vous remettez en route? Ouais, on se remet en route. Hein. Donc je me remets devant avec ma torche. D'accord, très bien.
Bon, là, vous allez avancer au moins une heure facilement. Hein. Ok. Sans rien rencontrer de particulier. Toujours dans l'ambiance des égouts, là. Ouais, ça pue. Il y a quelques rats encore, de temps en temps, qui passent. Mais... des rats normaux. Ça va devenir un ragarou. Oh non, secours. Ah. Et à un moment, vous arrivez à une sorte d'embranchement. Enfin, viens. Ça tourne. Ok. Ah merde, je suis pas... Donc, vous laisse vous avancer, vous me dites ce que vous faites. T'as mis en arrière-plan, Cam. Je sais pas comment récupérer mon... J'ai mis en arrière-plan. Non, elle a fait double clic, alors j'ai du coup, je peux aller. J'ai fait double clic et j'ai disparu. Parce que moi, ça m'envoie sous, là. Oui, moi aussi, du coup, je sais pas comment... Ah bah, m'oublie bien. Non. Attends. Je suis où? Ah, il faut éviter les double clics. Ah, je suis là. Et ah, non, c'est bon, non, vas-y, juste tu peux remettre. Parce que la case était pas en arrière-plan, c'est pour ça. Je me suis sorti de là. Ah merde, mais par contre, je suis un... T'es gauche. Naolia, bouge plus. Ok. Hop. Merci, super. Donc, Naolia, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé dans l'eau? Oui, je suis toute moyenne. Voilà, normalement, vous pouvez les faire glisser sans problème. Non, je passe toujours en arrière-plan. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ah ouais. On passe en arrière-plan, c'est que ton plan, il doit être en avant. Normalement, c'est bon. Non. Oh. Index tiré bas, tiré Z. Attends. Hop. Vous avez un objet pion. Ah ouais, c'est parce qu'il est tout aussi. Pas, t'es passé dans les murs. Non, bougez pas. Ok. Ils sont dans les murs. Hop. Du coup, est-ce que c'est bon? Ah ouais, du coup, vous le voyez plus, c'est ça? Oui, on le voit. C'est ça. Ouais, on le voit plus. Ouais, normalement. Merde. C'est que ça va. Non, j'en veux pas. Mets ton blanc en backroom. Oui, Dragon, je pense qu'il sait. Ouais, ce que j'ai fait, mais je comprends pas. Ah, ça a bloqué, je sais pas pourquoi. Voilà. Je me mets en mode ninja. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Toujours blanc. Non, on voit pas ton truc. On voit pas le décor. T'inquiète, no stress. Bon, on va le décaler un peu. Hop. Là, vous voyez toujours pas? Non. Négatif. Bon, allez. Ah là, on le voit. Ah, c'est, voilà, là, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Et là, on peut passer dessus. C'est bon. Ouais, c'est bon. De là, c'est pas ça qui veut nous arrêter quand même. Bah oui, quand même. Allez, il y a un petit saut à faire, les gars. Hop. Me tente pas de te faire faire un jeu d'athlétisme. Ah oh, merde. Allez, go. Non. Non, en bas il a tourné. Ah, ouf, vite. Je tombe dans le trou. Au revoir les amis, je suis décédé. Bon bah dommage. Donc du coup, reprenons le cours de notre histoire. Donc vous arrivez à un coude, effectivement ça tourne. Ok. Que faites-vous? On passe comme ça. Bah on avance hein. Moi je suis toujours derrière le nain, de toute façon. Voilà. Ma stratégie, c'est les autres devant et moi derrière. On va continuer d'avancer. On continue, voilà. Ok. Personne. Vous voyez qu'il y a une sorte de bassin. Yes. Ouais. On voit. Ici. Rogur, on stoppe là.
Ah oui, j'avais prévu. Hop. Ok, donc j'avance jusqu'à un niveau de Rogur. Hop. Ah. Ah, les crocs, les crocs, les crocodiles. Là, on les voit les crocodiles ou... Ah oui, maintenant vous êtes assez près pour les voir. Ok. Comme vous n'avez pas fait de jet percept, voilà. Dans les égouts qui puent. En formation de combat. Oui. Bon. Du coup, c'était à qui de jouer là? Ah bon, on va refaire l'initiative, chers amis. Ah. Nouveau combat. Vous voyez trois crocodiles. Oh, j'ai fait un 17, 18, oui. Enfin. Là. Attention, Naolia, ça rigole plus là. Aïe. Tétram non plus d'ailleurs. Ah, Tétram, il est. Il est chaud. Hein. Il est là pour Kari. Ah, moi, je vais faire mes crocos. Oh, pas terrible. Ok. Donc, premier Tétram. Deuxième. Okay. Ensuite, on a relu. Et moi, toujours bon dernier dans l'initiative. Ensuite, nous avons Rampa. Et ensuite, nous avons des crocos. Ah, je suis quand même devant les crocos. Eh ouais, t'as fait mieux que les crocos. Ça veut dire que si on gère bien, on peut les avoir tués avant qu'ils tapent. Yes. Ouais, c'est possible. Donc, je prends le côté gauche. Tétram, ouais. Numéro 1. Donc, moi, je vais me mettre là. D'accord. Et pour l'instant, je laisse Balou. Enfin, pour l'instant, je laisse Balou là. Il fait pas son déplacement. Il fait pas encore son déplacement. D'accord. Ok. Voilà. Il fait pas encore son déplacement et moi, je vais faire un bouffée de poison. Ok. Moi, je fais mon jet de résistance du coup. C'est constitution, hein. Ouais, c'est constit. Ah bah c'est foiré. Très bien. C'est foiré. GG, oui. Il passe toujours, lui, c'est... Ah, ouais, c'est le boss, hein. Je pense qu'il devrait être chef du groupe, hein. Ouais, moi aussi. Non, moi j'aime pas être chef. Et merci beaucoup, Dracofeu, pour ton follow. Yes, merci beaucoup. Oula, joli. Voilà. Tu vois que il apprécie pas du tout. Il est pas mort, mais il est pas bien vésillant, tu vois. Ok. Il a pris 12 de dégâts là, le croco. Ouais. Ok. Ouais. Ah oui, là donc, c'est joli. Bah, donc bah je ramène Balou. Ok. Donc il attaque. Et Balou, il va attaquer avec sa griffe. Oh, il va faire un 15. Un 15, ouais, carrément. On vérifie, mais non, oui, c'est bon. Et attends deux secondes. 1 des 6. Plus 1. Ah, putain. Petite forme, mais il est arrivé en petite foulée, tu vois. Et... Il a pris beaucoup d'énergie pour ça. Ah mais il y avait pas, je suis sûr qu'en plus il manquait pas grand chose. Ah attends, non c'était difficile quand même de le push up, mais il a bien pris quand même. Donc voilà. Ensuite c'est un Naolia, comme d'habitude, deuxième. Voilà, alors je me recule un peu et je sors mon arc long. Oh là là, je joue plus au cas, cahier. Il y en a marre. De prendre tous les risques là, donc je fais mon G. Allez, s'il te plaît. Ah non, non, tu. J'ai cru au vin naturel, d'accord. Ouais, il était pas loin, mais non, t'as été. Je tire à côté. Tu as dû être détourné par quelque chose et boum, c'est parti, à côté. Super. Ça s'est planté dans l'eau, dans le bassin. Bon, bah voilà. Ensuite, c'est à Rogur. Ok. Je vais attaquer que javelin, moi, à distance. Ah, d'accord. Tu attaques lequel? Je pense attaquer celui-là. D'accord, vas-y.
suspense. 18. Oui, ça touche. 14 plus 4. C'est un GG. 1d6 plus 2. Ouais. Il y a passé quelque chose parce que moi ça a bugué. C'est bon. Non, c'est, ouais, bon. C'est un petit peu long. 4. Oh, aïe aïe. Heureusement que c'était bon, tu vois que ça l'a touché un petit peu sur une patte, tu vois, mais sur pas l'air de le. Il s'est pété un oncle. Ouais, voilà quoi. Un ongle de croco. Ouais, si on peut récupérer la javeline après. Alors ensuite, c'est à Rampa. Vous faites poison. Alors attends, faut que tu te rapproches un petit peu. Donc Rampa se cache sous le nain. C'est reptile. Pas pas reptile. Donc je fais mon jet de résistance. Là, hop. Ouf, rien du tout. Ah là là, le jeu, il lance des CD, quoi. Ouais. Je vous avais dit hier. Bon, Rampa, ça a pas fonctionné. Est-ce que tu te recules un petit peu? Est-ce que tu rebouges? Recule. Ok. Et c'est ensuite au crocodile. Aïe, aïe, aïe. Quelle chance que... Allez, crocro. Ils cherchent pas, ils vont à ce qui est le plus proche. Ah bah c'est le nain quoi. Comme d'habitude, c'est toujours le nain qui apprend. Nous avons le premier crocodile qui va attaquer notre ami Rogu. Alors il a combien lui? Oh. Oui, ça touche. Ouais. Donc, les dégâts. Ah, oui, quand même. Ça me fait peur. Tu perds 10 points de vie. Oh la vache! Et tu vois que là, il t'a saisi par la jambe. Donc là, sa gueule est bien fermée sur ta jambe. Pour l'instant, il te tient. Aïe aïe aïe! Notre deuxième ami croco qui va attaquer Tetram. Oulala, là là, mais je sors des G. Tiens, bon, ça triche par là, t'as pris mon jeu. Il y a un truc qui est. Eh bien, ça fait 8 points de dégâts. Enfin, je suis en. Je suis inconscient. Je suis inconscient. Vite, un point de destin. Non, pas de point de destin. Donc je suis à moins 1. Oh, bon, tu considères 0, t'inquiète pas. Hop, 0. C'est pareil que pour Rogur, il t'a saisi par la jambe. Mm-hmm. Ouais. Et donc il reste celui sur notre ami Gorgorbe. Allez, Balou. Mais c'était mieux. Oh, ça me... Oh, j'ai... Oui, est-ce que j'ai une attaque d'opportunité? Écoute, pour le finir. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'il a pris trop d'élan. Hop. Et il a glissé, tu vois, il vient de mordre son camarade qui te tenait. Non. Ah oui. Donc il va lui faire ses dégâts. Ah, ça fait. Il y en est quand même 7. Et du coup, il t'a lâché. Ah bah ouais, bah de toute façon, moi je suis en PLS, hein, donc. Donc tu vois que là, les deux crocos, ils sont là de se regarder en chien de faïence. Et attends, tu m'as attaqué. Ouais, je suis à 0. Ouais. Je suis à 0. C'est bien quand le healer est. Ouais, mort. Ouais. Attends, le healer est pas protégé. Bon, nouveau tour. Donc Tetram, tu peux me faire un jet de sauvegarde contre la mort. Ouais. Raté. Balou,
Balou, il peut attaquer, hein. Ouais, enfin, pas Balou, mais Gorgorbet, il va attaquer sur celui-là. D'accord. Normalement, celui qui est le plus entamé. Ouais. Oh là là. Oh la vache. Bon bah, fin de tour. Ok, Naolia. Alors, Naolia, elle en a marre des jets de distance là. Allez, on sort le fléau. C'est parti. Pourquoi tu ne prends pas ton épée à deux mains? Parce que j'ai envie de sortir le fléau. Ah bah c'est comme tu veux, hein. Moi, je te force à rien, c'est juste que je me posais la question. C'est parti. Mic. J'ai fait 17 là, c'est pas juste. Donc ça te fait 12. Oui. Tu vas attaquer qui avant? Parce que je vois pas. Le premier qui est devant moi. Là. D'accord. Je t'avance. Oui, pardon, j'aurais dû m'avancer. Tu le touches. Je le touche. Tu peux lancer tous les gars. Alors, slash, donc c'est quoi déjà? Attends, laisse-moi regarder. Fléau. Mon fléau, c'est donc un D8 plus 3. Ok. Et j'ai oublié le R. Si je marque slash, rien du tout. Hop. Et je fais. Ah ouais, c'est bon. Ça touche, ça, et ça même, ça tue, non? Non, ça tue pas, faut pas dire. Oh. Il a bien morflé. C'est moi, tout à l'heure, je lui ai fait 12 et ça l'a pas tué. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc ils ont l'air d'avoir beaucoup de points de vie. Notre ami Rogur, c'est à toi. Ah, oh, pardon. Ben, je vais l'attaquer de toute façon. Je vais l'attaquer avec les marteaux légers. C'est le seul truc que je peux attaquer, prendre dans les. Bah, ceci dit, t'as. C'est cap, hein. T'as une cape par la jambe. Il me secoue un peu aussi. Ah, oui, c'est vrai qu'il t'a. Oui, t'as. Oui, exact. Donc, je pense que ça va être plus simple de taper avec le marteau léger que. Fais comme tu veux, y a pas de souci. J'autorise. Ouais, on va prendre le marteau léger. Ok, vas-y. Oula. Ah, t'as été déstabilisé aussi parce qu'il te tenait la jambe. Il est coriace, ce crocodile. Ouais, il est coriace. Ok, à Rampa. Ce qu'il fait peut-être parce qu'il est toujours mute à côté, on sait pas trop. Ah, oui, c'est vrai qu'on l'entend pas. Depuis tout à l'heure, il est mute. Oups, pardon. Ah, bah. Donc, du coup, je disais, recule-toi, Lena. Je m'occupe de ce croco. Je peux pas reculer. Ah, oui, c'est vrai, il est attaché. Il est attaché au croco. Donc, du coup, je vais en faire un sac à main. Je prends ma lance à deux mains et je l'attaque le sud de gauche là. Tu lui mets un grand coup sur la tronche. C'est ça. Et je mets un 5. Oh, c'est dommage. T'avais le 15 et hop, il a tourné sur le 5. Bon, bah non, je rate mon attaque. Tu le loupes. Là, en fait, il est en train de secouer Rogur et du coup, ça t'a. Voilà. Ça t'a gêné. Aïe aïe aïe, mais en fait, c'est G, les gars. C'est. Ouais. Catastrophique. Donc là, vous voyez le crocodile qui commence à repartir, tu vois, il recule avec Rogur. Oh non. Il le traîne. Oh, chier. Oh non, il va te noyer. Ensuite, il y a les deux crocos là qui avaient commencé à se bastonner. Ils comprennent pas trop ce qui se passe, donc ils continuent à se taper dessus. Ouais, c'est ça. Oh bah oui, bah, ça va. Oh, t'as les jets qu'il fait. Mais ouais. Il fait de ses jets, quoi. Oh, bah celui-là il est mort. Lequel? Lequel? Ah ok. Voilà, il vient d'être tué par son copain. J'étais Furax. Ok. Bon. Ça, bien, c'est à nouveau à Tetram. Allez, Tetram. Sauvegarde contre la mort. Tetram.
Ah, il est réussi. Oh, oh. 15, on va dire un partout. Balou, il va venir là. Enfin, Gorgorbet. Désolé, c'est que j'ai un ours dans un autre. Appelle le Balou. Et il s'appelle Balou. Vas-y. Moi, je peux comprendre, t'inquiète pas. Comme c'est pas contre Dragonvolt. Ah ouais, c'est vrai, Rampa, t'es pas triste quand tu décongénères. 13. 13. Est-ce que ça passe? Ça touche. Donc, 1 des 6 plus 1. Ah, mais sérieusement! Aïe aïe aïe. C'est deux fois qu'il me fait le coup, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il te voit qu'il est par terre, ça le perturbe. Moi, mon pote, il va pas l'air bien. Ok, Naolia. Allez, c'est parti. Bon. Je refais haut. C'était un peu proche, là, j'ai peur de. Bah non. Si, j'ai Rampa à côté de moi, là, j'ai pas envie. Vas-y, oh, attaque le croco, là. Go. Ouais, je vais attaquer le croco, mais. Ouais, vas-y, à coup de fléau, vas-y, c'est parti. Yes! Yeah, oh, yeah, oh, yeah, 21, 1. Allez, maintenant les dégâts. Donc, si, putain, il faut que je les apprenne par cœur, ça m'énerve. Donc, 1 des 8 plus 3. Suspense. Oui, oui, ça arrive. Il y a 4 mois cette sourasse qui fait un froid. Oui. Oh serpent. Joli. Tu mets un gros coup de fléau qui fracasse la gueule du crocodile qui décède dans d'atroces souffrances. Oui. Ça, c'est fait. Oui, bien joué la guerrière. Bon maintenant faut aller s'occuper de. Tu peux bouger maintenant si tu veux, parce que tu n'es plus au corps à corps. Allons sauver ce nain. Moi je me mets à côté du nain. D'accord. Tu l'attrapes de l'autre côté et tu dis « À moi, à moi !» Genre là, pour laisser la place à quelqu'un. Si, lâche-moi. Genre « Non, il est à moi, il est à moi !» Ils vont m'arracher la jambe, bande de cons. Pas la barbe. C'est un autre ami Rogur. Ouais. Bah, je reprends avec le marteau. Hein. Te laisse pas faire, Rogur. T'as massu la gueule. Yep, Twin. Yes. Ah, pas mal. Ça touche. Tu peux faire tes dégâts. Ouais. Quatre. Pas mal. Plus 6. Ah, ça fait 6. Bravo. 6. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, tu vois que tu lui as mis un bon coup. Bon, par contre, lui, il se dit qu'il a son repas pour la journée, donc il tient bon, tu vois. Mais il est pas serein, je le sens. Et je vais cogner dessus avec des marteaux aussi. Hein. Ensuite, c'est à Rampa. Très bien, bon, moi, comme il y a que l'arbalète qui me va, alors je me mets en position. Je vise ce dernier crocodile pour qu'il lâche le nain. Et je balance un carreau. Allez, c'est parti. Et je fais un 22. Oh, ça touche. J'ai tellement eu peur. Critique, dommage. Yes. J'ai tellement eu peur qu'il me touche à la place. Parce qu'il me reste quand même un PV, donc ça aurait été chaud. Et je lui fais 5 de dégâts. Je lui vise l'œil. Bah tu viens de lui crever un œil. Mais il est toujours là. Accroche-toi, Rugur. On va te sortir de là. Oui. T'as trop le choix. Donc c'est un nouveau crocodile. Donc là, tu vois qu'il recule encore, boum, là il. Du coup, Rogur est dans la flotte. Oh non! C'est donc à Tetram. Allez, Tetram. Donc Tetram, petit G, oui, réussi. On se rapproche, on se rapproche. Il y a combien en profondeur d'eau? Oh, c'est pas énorme.
ton ours peut y aller tranquille. D'accord. Nounours, il va aller là. Il va donner un coup de papatte. Est-ce qu'il va donner le coup final? Allez, 8. Attends. Eh ben non. Non, mais il aime pas trop l'eau en fait. C'est ça, c'est ça mouille. Donc, fin de tour. Ok, Anolia. Bah alors, moi. Bah, je vais dans l'eau. Ok. Vu que ça m'a bien réussi, je reprends le fléau que j'avais déjà en main. Allez, finis-le. Oui, la 24. Oui. J'ai eu peur que le 1 arrive, tu vois. Ouais, moi aussi, j'ai transpiré, hein, crois-moi. Donc, allez, fais tes dégâts. Plus 3. Allez, la guerrière. Éclate-moi cette sale bestiole. 11. Mais tape pas sur sa gueule, il a encore ma jambe. 11. Oui. Bon, je t'ai fait faire le G, mais tu le tuais puisqu'il avait 4 points de vie. Mais là, tu l'as vraiment bien aplati. Yes. Et voilà, ce crocodile est mort. Ah ouais, je me dirige directement vers tes trames. Bah, tu sais que dans son état, tu peux lui faire boire une potion de soin. Et je lui donne une de mes potions de soin. Ok. Sauf que ça marche pas. Ah si, ouais. Ça marche, c'est magique pour moi. Ah ouais, d'accord, ok, les potions ça marche. Ouais. Ah, je croyais que tu m'avais dit que les potions ça marchait pas. Donc... Il a dit les trucs magiques, ça marche. C'est magique, ça marche. D'accord, donc la potion ça marche, donc ça fait 2d4 plus 2. Voilà, et je n'ai d'accord. plus qu'une potion. Et Rugur, il a perdu combien de points de vie? Oh, il a pris cher, Rugur. Ah, faudrait que tu prennes une potion. Bah, demande-lui directement, tu lui parles. Vous savez, Rugur, après, tu devrais peut-être de prendre une potion, hein. Vous pouvez faire un recours, hein. N'oubliez pas que vous pouvez prendre une heure pour vous reposer, hein. Ouais, bah, on va prendre une heure pour se reposer, parce que moi, là, j'ai remonté de 6 PV. Ouais. On va faire ça, ouais. Je retire de l'eau déjà. Je te traîne vers l'eau. Et en plus, tu sais, tu me prends par la jambe, tu sais, que j'ai pas mal abîmé. Et là, ça fait mal. Repos court, on récupère quoi en PV? Alors, vous jetez par rapport à votre dé de vie. Non, mais moi, je suis full life, mais c'est pour eux, quoi. Dé de vie. Ben en fait, Rogur, ça doit être des dés 10, si je dis pas de bêtises. Dés 12. Ah oui, toi, t'es dés 12. Bah, tu jettes un dés 12 plus ton bonus de charisme, de constitution, pardon. Ouais, moi, je jette un dés 8. Voilà, plus bonus de constitution. Oh, le joli 1. Donc, c'est un dés 12. Non, c'est marqué. Pour moi. Toi, ça va être autre chose. Ah, pourquoi? Toi, ça va être un dés 10. Tu regardes dans. Dés de vie. À côté de échec et succès, il y a une autre case et il y a marqué dés de vie. Et ça marque le dé de vie que t'as. Donc Rogur, tu récupères 4 points de vie. Ouais. Donc je monte. 4 points de vie. 5. Et du coup, vous perdez votre dé de vie. Bonus de constitution, donc plus 2. Putain, mais je trouve pas où c'est. Là où tu vois point de vie actuel, après t'as point de vie temporaire, en dessous t'as dé de vie. Non, mais je suis full life. Au-dessus des attaques d'Espo. Nickel. Ok, mais moi j'ai un dé de vie. Dé 10, ok, un dé 10. Donc un des 10 plus quoi déjà? La constitution. Bonus de constitution. Ok. Est-ce que les potions ça marche sur les milliers? Les pets. Ouais. Oui, bien sûr. Donc plus 2. Bah, moi je pense que je vais prendre quand même. Bah merci à Voilà, bah, moi je fais 12, je suis fou. Pour ton familier, jette un des 10 s'il se repose. On va faire comme pour toi. Ah, ouais. Okay. Ouais, vas-y. Lui c'est un des 4. Voilà. Alors, c'est un D4 plus sa quantité qui est de 1, donc slash R 1 D4 plus 1. Là, ça va pas lancer le D. Si, non, si. Bah, c'est bon.
5, ouais, nickel. Ouais, ça fait 5, ça le fait full life. Nickel. La Olia, t'as tout récupéré, je crois. C'est ça, j'étais à 11, donc je repasse à 12, tranquille, quoi. Mais y'a que notre ami Rogur, là, qui est pas super, super en forme. Ouais, j'ai encore mes 5 PV, là. Mais si tu peux prendre une potion, ceci dit. Bah oui, ouais, tu peux prendre une potion. C'est ce que je vais faire. Ouais, c'est plus safe, hein. Ouais. Tu récupères 2 D4 plus 2. Tu me dis quoi? 2 D4. 2 D4 plus 2. Plus 2. Plus 2. Bah ouais, là, ça fait... C'est mieux, là. 5. Ça fait 7 points de vie, c'est bien. Bah voilà, parfait. T'es à combien, du coup, là? T'es en bonne santé, ça va? Ouais. Oh, t'es pas encore full life, mais t'es quand même mieux, là. Bon. Maintenant qu'on s'est reposé et qu'on a récupéré nos points de vie... Là, on en est où dans la journée? Ah bah, je savais pas du tout. Ah, ouais, ah là, ok, on sait pas. Personne a une montre. Non. Bah... Ah, vous êtes sûr d'avoir voyagé quelques heures?